Donc, je m'appelle Marina Goguet, je suis professeure en management à HEC Montréal et j'ai écrit le cas sur les processus de co-création à l'Insectarium de Montréal avec Manon Lantoin, qui était étudiante à la maîtrise à HEC Montréal au moment où on a écrit le cas. L'histoire du cas, c'est l'histoire des processus créatifs qui ont amené à repenser les expériences de visite au sein de l'Insectarium de Montréal. Et donc, on suit au travers le cas les aventures de Anne Charpentier, la directrice de ce musée, à qui on avait confié le mandat de mener un projet de rénovation architecturale du musée et qui, au lieu de s'enfermer dans son bureau et de repenser seule le futur de son musée, a décidé de mettre en place des processus créatifs collaboratifs avec un certain nombre d'employés à l'intérieur du musée, mais aussi avec des experts un peu à travers le monde qui sont venus apporter leur pierre à une réflexion sur le futur du musée. L'objectif pédagogique principal de ce cas, c'est d'amener les étudiants dans une réflexion sur les enjeux managériaux qui sont associés à tout processus de co-création, et donc à la fois comment est-ce qu'il se réfléchit en amont, comment est-ce qu'il se gère sur le moment et quels sont les apprentissages, les leçons que l'on peut en tirer par la suite. Donc, ce cas a été pensé à destination d'étudiants de maîtrise, soit dans des cours de management de l'innovation ou de la créativité, où on peut vraiment explorer les enjeux très concrets de processus de co-création qu'on appelle aujourd'hui des processus de co-design, mais peut aussi très bien être utilisé dans un cours, par exemple, de design organisationnel sur la manière dont on va structurer des relations entre une organisation et son écosystème. En termes de scénario pédagogique, ce que l'on propose dans ce cas est calqué sur la structuration du cas qui est en deux parties. La première partie du cas présente les antécédents du projet, le contexte dans lequel la directrice a été amenée à repenser son musée. Et on propose aux étudiants de se mettre dans les chaussures de cette directrice en imaginant le processus qui pourrait être mis en place. La deuxième partie du cas présente l'histoire telle qu'elle s'est vraiment déroulée et permet en fait aux étudiants de comparer ce qu'ils avaient imaginé comme processus avec ce qui s'est vraiment déroulé, permettant ainsi de voir les forces et les faiblesses, les avantages et les inconvénients des choix qui ont été faits par la directrice. Et donc ces deux temps peuvent être faits soit dans une seule séance, soit dans deux séances séparées.